entrepreneur. Flo Pambo. Flo Pambo, il a dit Pambo. Moi j'ai dit Tambo, je sais pas pourquoi. Flo Pambo, entrepreneur. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Tu peux expliquer ce que tu fais et qui tu es? Ok, alors moi je suis un jeune issu des quartiers qui, avec le temps, je ne vais pas dire tout mon parcours en détail, qui est passé de l'illégalité en gros à la légalité. Et c'est très bien. Et du coup, bah, j'ai commencé, ce qui est bien parce que c'est peut-être des choses que personne ne connaît, mais j'ai commencé avec un label, en tout premier. Je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en créant un label. Ça tombe bien qu'on parle de ces sujets de la musique. Et ensuite de ça, ben, j'ai lancé une boîte de propreté. Et là, ça fait 4 ans qu'elle tourne. Derrière ça, je faisais aussi beaucoup de vidéos pour motiver les gens. Avec mon téléphone, je postais sur les réseaux. Et avec le temps, ben, j'ai commencé un peu à me faire connaître sur les réseaux sociaux. Très bien. Et nous avons monsieur Feneux. Feneux, producteur, manager. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, tout va bien? Voilà. Si tu peux expliquer rapidement alors, qui tu es, ce que tu fais. Ok, je me présente, je m'appelle Feneux, j'ai 25 ans. Je suis producteur, entrepreneur. Je fais aussi un peu de coaching de vie basé sur la motivation. Et voilà. Très bien, on va discuter. Bon, il m'a l'air un peu humble là, mais c'est quand même un producteur à succès. C'est quand même important de le dire et c'est pour ça aussi que tu vas pouvoir partager un peu ce qui s'est passé parce que ces dernières années elles ont été assez folles pour toi. Voilà. On a Booba et Barberiche qui sont là. Maintenant, t'as envie de dire Didier? Je sais que t'as envie de dire Didier. Gringy. Les bas et les airs, John. On dit Mogo, pas Bougo, on dit Floco, pas Floco. Feneux, faut que tu dis ça aux autres artistes. Hein, parce qu'ils prononcent mal les bails, tu vois. C'est le grignon, là, il le prononce mal, tu vois. Et il y a Mao aussi qui est là avec nous. Très bien. Donc, le thème, c'est toujours le même. Comment vivre de sa musique. Moi, Feneux, vu que tu es là parmi nous et qu'aujourd'hui, on sait que tu connais énormément de succès en étant producteur, et tu me dis si je me trompe, si c'est pas le terme, mais producteur de Weshden, c'est bien ça. Voilà, on le sait, succès. Mais beaucoup de gens ont connu ton nom à partir de l'explosion de Weshden. Mais toi, t'es arrivé avant. Ouais, c'est je suis arrivé, on va dire, je suis entrepreneur depuis 2018. Depuis 2018, mais je suis... avant ça, j'ai toujours été un débrouillard passionné. Ça veut dire avant même que je me lance dans la musique. Non, je me suis lancé dans la musique en 2020. En 2018, j'avais lancé ma marque de vêtements qui s'appelait Get l'Ascension, qui aidait les jeunes à croire en eux, etc. Parce qu'il faut savoir que avant 2018, moi-même, j'ai toujours été un débrouillard. J'ai toujours cherché à percer, tu vois. J'ai toujours rêvé d'être une star. J'ai toujours rêvé d'être sous les feux des projecteurs depuis tout petit. Il y a mon photographe qui est au fond, Yop, big up à lui. Je bossais avec lui en 2016. En 2016, je faisais des photos où je me prenais pour un mannequin. Ça veut dire, je prenais les blousons de mon frère et de la marque Levi's, tu vois. Okay. Et je faisais des photos avec lui, j'identifiais Levi's. Je disais merci Levi's, tu vois. Je faisais genre, j'étais quelqu'un, tu vois. Donc depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être quelqu'un. Avant de faire du mannequinat, je faisais de la boxe, où j'ai toujours rêvé d'être boxeur. J'ai toujours été passionné par McGregor, par les gens qui parlent beaucoup, mais qui assument derrière. Les gens humbles, j'aime bien les gens humbles, tu vois, mais j'aime bien les gens qui se montrent aussi. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des producteurs qui se cachent. Ouais. Ils ont droit. C'est peut-être qu'ils sont comme ça dans la vie de tous les jours, tu vois. Moi, je suis dans la vie de tous les jours, si on peut dire, je bombe un peu. Tu vois, ouais. Un peu, mais c'est pas beau de l'assumer. C'est pas forcément négatif. C'est pas je bombe pour dire ah, je suis meilleur que vous. Non. C'est pour ceux qui bombent, généralement, ils n'ont pas confiance en eux. Ouais. Et moi, j'ai fait partie. Voilà, j'avais pas confiance en moi. Okay. Mais il ne faut pas que tu montres que tu n'as pas confiance en toi. Bien tu sûr. Vois, dès le début, ça veut dire si tu viens, tu montres que tu n'as pas confiance en toi, tu tires une balle dans le pied dès le bien début. Sûr. Ça veut dire, moi, avec mon arrogance, je me cachais sous mon manque de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, la marque de frein que tu sors, ça s'appelle Get l'Ascension. Voilà. Bah, en fait, tu parlais à qui quand tu disais ça? Parce que moi, c'est ça. Ouais. Moi, la première fois que je t'en parlais, toi, c'est ça. Non, ça commençait déjà à bomber, même. Ouais, mais à qui il parle? En fait, si vous voulez, quand je sors la marque, qui, c'est vrai que le nom même, il est arrogant parce que j'étais personne en 2018, mais je sors une marque qui s'appelle Get ma réussite. Ça veut dire l'insolence, elle est là, c'est là, tu vois. Ça veut dire, je sais pas si je vais réussir, mais j'interpelle tout le monde en disant Get ma réussite parce que j'ai envie de montrer à tout le monde que quand on veut, on peut.
Et les dictons, oui, fais tes trucs en silence, ça sera genre, ah, moi je crois pas ça. Moi je suis un mec, je parle, et si je dis je vais faire ça, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où t'as parlé, voilà, je suis obligé, en fait, si vous voulez. Tu vas faire le boulot pour. Voilà, à partir du moment où je crée la marque Get l'Ascension, je peux plus, parce qu'on est tous des dalleux, on n'a pas assez les couilles. On a tous des projets, on s'est tous réveillés avec des projets, mais le lendemain tu les as plus. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand je me suis réveillé avec ce projet, j'ai dit. Comment maintenir ce projet, comment faire pour maintenir la motivation, pour plus qu'elle parte. Ouais. Du coup, j'ai dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais parler avant, comme ça les gens ils vont m'attendre au tournant. Ah. Et là maintenant, je ne peux plus reculer. J'ai créé la marque Get ma réussite. C'est-à-dire les gens ils vont être bras croisés, ils vont m'attendre. Okay. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai créé la marque Get l'Ascension. J'avais fait des t-shirts personnalisés à l'ancienne, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas où je voulais aller, je ne voulais jamais être vendeur, tu vois. Mm-hmm. Comme je dis, j'étais boxeur, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait du handball. Ouais. J'ai fait un peu d'handball. En gros, j'ai toujours voulu percer dans quelque chose, même si sans savoir exactement quoi, peu importe. Et quand j'ai créé la marque Get l'Ascension, j'ai dit voilà, vous allez voir ma réussite, mais je sais pas dans quoi. Ça veut dire que je savais même pas que j'allais finir producteur. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc j'ai commencé à faire des t-shirts. T'as fait de l'argent avec ces t-shirts? J'ai fait de l'argent avec ces t-shirts, mais il faut savoir que quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent. Tu sais, j'étais animateur, donc. Comment tu trouves l'argent? Comment je trouve l'argent? En fait, si tu veux, j'avais peut-être 500 euros de côté, on va dire, en 2018. 500 euros de côté ou peut-être 1000 euros de côté, je m'en souviens plus trop exactement. Ouais. Mais j'ai mis tous mes couilles dans le peu d'argent que j'ai. Et j'ai cru en moi. En fait, il faut croire en soi, il faut pas avoir peur de redescendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris mes 1000 euros, je suis parti dans un magasin de vêtements et j'ai forcé mes potes à m'acheter. Tu vois, moi, je force les gens à partager et je force les gens à m'acheter. Tu sais, les gens, ils aiment pas. Quand moi j'envoie les teasers, les gens, ils aiment bien enregistrer, mais ils partagent pas. Quand je vois la personne à l'enregistrer, je dis, c'est comment? J'ai pas vu dans ta story. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je force, je suis un forceur. Mais fais-le. Ouais, tu vois. T'es un mec de Grigny, frère. C'est avec Grigny qui force les gens à faire des voix. C'est important, en fait c'était une stratégie pour moi de forcer les gens parce que si vous voulez, quand je force mes amis à partager mon projet, les gens ils voient dans les stories, ils me disent oh mais le mec il a le bras long, tout le monde le partage, mais ils savent pas que je suis en train de sucer derrière, non mais tu vois, ils savent pas, mais comme les gens ils vont, ils vont dire et les gens c'est des moutons dans la vie, ça veut dire qu'ils vont voir tout le monde mettre, ils vont dire ah moi aussi je mets, pour dire je suis dans le mouton, je connais les gens comme ils sont, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça il faut être berger et pas mouton. Voilà, et comme je sais que les gens c'est des moutons. Je savais qu'ils allaient partager, sans même comprendre le truc, mais ouais, que tout le monde partage, donc eux, ils vont partager, tu vois, donc j'ai joué sur ça. Après, je suis parti des marchés des artistes, parce que comme on parlait tout à l'heure avec Florent sur le relationnel, je ne connaissais personne. Okay. Mais je suis un forceur, ça veut dire quand je voyais une annonce d'un clip, par exemple, de Tchakola, je partais là-bas, je ne connaissais personne, je donnais mon t-shirt, je forçais, j'étais partout. Même quand je n'étais pas invité, j'étais là. Je bougeais. Je prenais la Citroën de Madaron, toute cassée. Et si je veux rebondir sur ça, par rapport à ce qu'il dit. Il y en a qui ont posé la question tout à l'heure, comment se faire du réseau? Bah, c'est tout simplement en se levant, il faut sortir. En fait, il faut sortir pour aller rencontrer les personnes que tu veux rencontrer. Le réseau, c'est comme ça qu'on se crée. Si tu veux le réseau, tu le crées. En fait, tu dis pas, ah, j'ai pas de contact. Mais je suis là, je sais pas, je m'en bats les couilles. Je me suis levé, j'ai pris ma Citroën, j'ai vu Tchakola là. Allez, tiens, Tchakola, t'as vu, mets mon t-shirt, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Okay. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que. Ça répondait ou pas? Ce qui est marrant, c'est que tous ceux à qui j'ai envoyé des messages, que des vues. Ouais. Que début, mais aujourd'hui, maintenant, quand eux me proposent des trucs, il y a les conversations où je vois, oh bonjour, je m'appelle Feneu. Il y a bonjour, je m'appelle Feneu, nanani, nanana. Et déjà, t'as vu comment toi tu vas négliger, mais tranquille. En fait, tu vois, j'envoyais des messages à tout le monde, que début. Même moi, je commence à craquer. Ah, vous voulez la jouer comme ça, on va voir. Voilà, vous allez guetter. Tu t'es pas découragé à ce moment-là? Non, en fait, faut pas être découragé. Juste avant, t'as quand même dit que cette arrogance, ouais. Ça cachait quelqu'un qui n'était pas sûr d'eux. Ouais. Donc en vérité, tu envoies tous ces messages-là. Tout le monde te laisse en vue. Vu qu'à la base, tu n'es pas sûr de toi, tu aurais pu être découragé. J'aurais pu être découragé, mais j'avais trop parlé. En fait, les gens commençaient à mettre mes t-shirts. Tu vois ce que je veux dire? Les gens commençaient à dire Get l'Ascension. Donc, mais c'est qui Get l'Ascension? Pas lui, mais il est au quartier comme nous, il me parle d'Ascension. De quoi tu parles? Tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai dit, en fait, ce qui est important aussi, il ne faut pas oublier avant qu'on devienne la clé, en fait, c'est de commencer avant d'être prêt. Même si tu connais pas, le jour où j'ai rencontré Tchakola, je ne connaissais ni Dadan ni Dev. Okay. Mais j'ai tapé mon selfie en disant avec le frérot. Tu vois? En fait, tu marques avec le frérot pour que les gens disent qu'il connaît du monde. Et après, tu mets ça sur ton profil. Du coup, quand tu démarches une autre personne, les artistes sont des. Désolé, hein, c'est des suceurs un peu. Tu vois? Quand ils voient l'autre artiste a fait, ils vont dire ah ok, s'il l'a fait avec lui, ça veut dire moi aussi je vais faire avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand Tchakola a accepté,
c'est bon. Les autres, un peu de ci, un peu de ça. Donc je commençais, en fait, mon forcing, il a marché, t'es obligé. Tu sais, il y a des gens, non, moi je reste dans mon coin, je force personne. Après, venez pas sucer. Ah, malheureusement, c'est pas sucer, mais si tu veux que ton truc il marche, t'es obligé d'aller au culot. Démarcher les gens. T'es obligé de démarcher. J'ai une question pour moi, pour toi, pardon. À quel moment tu t'es rendu compte que ton arrogance, du coup, qui était calculée, c'est devenu une force et ta marque de fabrique? À quel moment? Bah, faut savoir que on appelle ça de l'arrogance, mais moi, pour moi, je suis pas. Oui, oui, tu peux m'expliquer, mais je suis pas arrogant. C'est juste que je me montre. Mais en France, quand tu te montres, t'es arrogant. Les Français, ils aiment bien être dans leur coin, mais faites ce que vous voulez, en fait. Mais moi, j'ai le droit de me montrer. Et quand tu te montres, t'es arrogant, mais je vois pas en quoi je suis arrogant. Tu vois, je dis bonjour à tout le monde, je suis poli, je vois pas en quoi je suis arrogant. C'est parce que les gens ils confondent l'arrogance et être sûr de soi. Exactement. Vous voyez, les Français, ils sont pas sûrs d'eux, ils ont peur. Quand je vous dis, on est tous des dalleux, mais on n'a pas les couilles. Et dès qu'une personne a fait l'idée que toi t'avais hier, waouh, tu vois, t'es fâché. Mais pourquoi t'es fâché? T'avais cette idée, mais t'as pas eu les couilles. Moi j'ai eu les couilles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut juste avoir les couilles et juste avoir la motivation. Tu vois ce que je veux dire? On va. Quelqu'un d'autre? Fenu, t'as vu ton interview dans Yard là? Ouais. Tu sais, moi je suis un ancien, tu vois. Moi je comprends ta détermination, je comprends ton assurance, que certains appellent arrogance, tu vois. Mais il y avait trop de nique sa mère quand même, dans l'interview. Ouais. Est-ce que tu regrettes pas d'avoir dit tant de nique sa mère dans cette interview? Parce que quand tu auras des enfants là, ouais, si ils regardent ça, ils vont dire papa, ils disaient trop de courants. En fait, tu vois, l'interview hier, pour revenir brièvement dessus, c'est une période où j'étais pas trop bien. Mmh. Tu vois, j'avais une revanche à prendre contre tous ceux qui me critiquaient sur les réseaux. Mmh. Et c'était la première fois qu'on me donnait la parole. Au bout de 2 ans, c'était la première fois qu'on me donnait la parole, donc j'avais besoin de tout cracher. Comme il me disait, frérot, pourquoi vous nous invitez pas quand c'est des petits médias? Mais moi, si je n'étais pas invité partout, alors que quand je vous ai dit, quand je faisais Get l'Ascension, j'ai commencé à tout niquer. Ça veut dire tous les rappeurs de leur musique, Get l'Ascension, mais ils mettaient les artistes en avant. Je dis, oh, c'est moi Get l'Ascension, si je dis cette fois, c'est grâce à moi. Mais les gens ne me calculaient pas, en fait. En fait, j'ai compris qu'en fait, il n'y a que les artistes qu'on doit calculer. Je dis, ah, ça va pas se passer comme ça. Quand j'ai fait Get l'Ascension, j'avais 22 ans. On a 22 ans, je suis aussi jeune, j'ai envie d'être en avant. Tu vois, je suis pas un ancien, parce que la plupart des producteurs, c'est des anciens. J'en produis, j'ai que 25 ans, tu vois. Les anciens, c'est normal, qu'ils veulent pas se montrer, ils ont 40 ans, ils ont pas envie de se montrer dans les clips. Tu vois, je sais pas t'as quel âge, mais tu vas pas être comme ça, yo, tu vois. Et le fait que moi aussi, je me suis senti négligé, ma phrase phare, c'est laisser personne vous négliger. Tu vois. Et le fait que les personnes, ils me négligeaient, ça veut dire que quand les rappeurs, ils volaient mes phrases, Get l'Ascension, je me suis dit, mais elle ouvre ma part dans ça. C'est grâce à moi, vous dites ça, vous chantez, mais il n'y a pas merci Feneux, tu vois, un petit big up. Du coup, c'est là que j'ai créé ma chaîne Get l'Ascension, tu vois, où j'ai mis tous les rappeurs. Ceux qui ont osé dire Get l'Ascension, je leur ai dit, venez faire un freestyle sur ma chaîne. Tu vois. Ils sont venus. Mais maintenant, il y avait un deuxième problème. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'étais un vendeur de vêtements. Je connaissais rien à la musique. J'aimais bien la musique, j'écoutais la musique, mais je connaissais rien. Du coup, quand les artistes ils sont venus faire des sons sur ma chaîne, les maisons de disques, ils étaient à l'affût sur cette chaîne-là. Ça veut dire qu'ils prenaient les artistes que moi je mettais en avant. Du coup, là, tu gagnais rien. Je gagnais rien du tout. Mais on va dire, moi, franchement, l'argent, ça n'a jamais été ma passion. Moi, c'est juste la reconnaissance. L'argent, je suis pas. Mais est-ce que cette interview, tu la regrettes ou pas? Parce que tu as dû essuyer plein de critiques vis-à-vis de cette interview. En fait, on retient les critiques, mais j'ai eu beaucoup de compliments. Mm-hmm. Tu vois? Visiblement, il n'y a que les critiques qui ont été retenues, mais il y a eu beaucoup de compliments aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, où les gens ils n'ont pas été d'accord, c'est quand je parlais des sujets sensibles, entre guillemets, donc je les comprends. Après, ça reste des débats ouverts, mais dans le fond, je pense que tout le monde m'a compris. Oui, non, mais dans le fond, t'as compris. C'est juste que j'ai du mal à mettre sur la street. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait d'études, je connais rien. Ça veut dire, moi, comment je parle quand je dis nique ta mère, c'est nique ta mère, tu vois. Quand je dis suceur, c'est suceur, tu vois. J'ai pas le temps de bien m'exprimer, de préparer un speech. Et non, tu parles avec le cœur et. C'est apprendre à laisser. En fait, j'ai parlé, si tu veux, comme si on faisait un débat au quartier. Sauf que là, c'était sur Internet. On a tous regardé. Tous ici, là. Tu es un peu trop des voix, là. Ouais, moi, je pense aussi que tu étais beaucoup. Mais comme je vous ai dit. Nous, on est des anciens, c'est inquiet pour toi. Je sais, on est inquiet pour toi. Merci beaucoup. Mais quand j'ai fait l'interview, j'avais 23 ans. 23 ans, je crois. Mais c'était à 2 ans. J'avais 23 ans. Je suis jeune, mon gars. En vrai, on oublie peut-être parce que je suis arrogant, je nanani nanana, mais je suis jeune. Mmh. Il y a plein de choses que je connais pas. On fait des études, mais on fait des erreurs, pardon, mais on se relève. Tu vois. Comme l'erreur que j'avais fait quand je mettais les artistes en avant, j'ai remarqué quand les maisons de disques commençaient à me les voler, j'avais pas assez la force. Et j'ai commencé à prendre des artistes moi aussi sous ma main. C'est-à-dire, le premier artiste que j'ai signé, il s'appelait Dinor. Tu vois. Il s'appelait Dinor, ça veut dire que je l'avais fait pop.
Et au moment où je l'ai fait péter, il y a Sony qui était venu, ils me l'ont volé. Mais le problème, ça vient de ma faute parce que je n'avais pas signé de contrat. Il faut savoir que les artistes, il n'y a pas plus ingrat que les artistes. Oui, ils sont infidèles. Il n'y a pas plus ingrat que les artistes. En fait, les artistes, ils oublient qui ils étaient quand ils n'avaient rien. Tu vois, et moi je me bats contre. J'aime bien les artistes, mais désolé, je me bats contre eux et leurs valeurs. J'aime pas quand une personne oublie d'où elle vient. Du coup, quand je me suis fait voler Dinar par Sony Music, c'était mon premier coup de massue, ça m'a fait mal. Parce que faut savoir, comme je vous ai dit, moi je suis pas un businessman, j'aime pas ce terme. Un businessman, c'est quelqu'un qui fait des choses pour l'argent. Moi je suis un débrouillard passionné, je m'en bats les couilles de l'argent, ça passe. Je me lève pas le matin en disant je dois faire de l'argent, je dois faire de l'argent. Non. Je me lève le matin en disant je dois être respecté, comment trouver des idées, comment motiver. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand je me suis fait voler par Sony, je me suis dit ok, donc là maintenant je vais faire mon label et le prochain artiste, je vais le signer dans ma structure. Mais au même moment, je commençais un peu à être connu, tu vois. Donc j'ai pris un deuxième artiste, c'était Canoë. Et quand j'ai pris. Canoë, c'est toi? Ah ouais, bah oui, tu vois, ça savais même pas. Et quand j'ai pris Canoë, c'est que je l'ai fait pop encore une fois. Et j'étais en train de faire ma structure. Du coup, je reçois un appel d'une maison de disques. Oui, bonjour, c'est toi qui t'occupes de Canoë. Donc moi, je suis tout content, tu vois. J'étais fan. Il faut savoir que la personne qui m'avait volé Dinar, j'étais fan d'elle. C'était un DA, je vais pas dévoiler son nom. C'était un DA, mais j'étais fan de lui. C'est-à-dire, quand il m'a appelé, je bandais, j'étais tout content. Oh, nanana, et j'ai pas vu le bis arriver. Du coup, il me l'a volé en 2-2. J'ai rien vu venir. J'ai dit, ok, là, je refais plus cette erreur. Quand j'ai pris Canoë, c'était une DA de Polydor. Pareil, j'étais fan aussi d'elle. J'aimais beaucoup. Ça veut dire, elle m'a appelé, ah bonjour, Feneu, ça va? Je dis, oui, ça va. Ah, tu t'occupes de Canoë? Oui. Ah, du coup, là, il est signé dans ton label? Je dis, non, il est en construction. Erreur. Ah, t'as pas de label? Ok, ça va, c'est mort. Ça s'appelle la mère à Canoë, tu vois, Canoë. Oui, comment ça se fait que c'est un jeune, sans structure, qui s'occupe de nous? Nous, on est Universal, patati patata. Ils m'ont pris Canoë. Ça veut dire, là, c'était le deuxième coup de massue. J'ai dit, non, là, j'étais, franchement, ça m'a, ouais. Ça m'a, parce que je connaissais pas le monde, en fait, faut savoir, les gars, que le monde de la musique, il est méchant. Ouais. Le monde de la musique, c'est un monde de fils de, désolé, hein, mais le monde, il est méchant. Les gens, ils fonctionnent business. Et moi, j'étais venu avec l'amour, motiver les gens. Et quand je vois les gens, ils me la mettent sans scrupule, ça m'avait cassé un peu, tu vois. Et t'as des idées sombres, t'as envie de dire, ok, bah, moi aussi, je vais la mettre aux gens. Mais en fait, non, je suis resté concentré, j'ai fait mon label, et dès que j'ai fait mon label, c'est là où j'ai signé Weshden. Mais là, j'ai dit, je la signe et... Je suis obligé de t'arrêter juste avant ce passage-là. Tu dis que tu as monté ton label et tu dis les gens sont méchants dans ce business. Comment tu montes, qui t'apprend, qui te guide justement à ce moment-là pour monter ton label? Est-ce que c'est important, ouais, en fait? Mais après, pour créer un label, entre guillemets, les gars, c'est pas compliqué. Hein. Tu crées une entreprise, SAS, sur Internet, en 2 secondes, tu crées ton truc, quoi, tu vois. Okay. Je connais, ouais, j'apprends seul. C'est pour ça que je dis un débrouillard passionné. N'attendez pas que les gens vous montrent. Faites, cherchez quand. Parce que partez vous renseigner sur une personne qui connaît, mais comment cette personne, elle a connu? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez, arrêtez de demander des conseils à ci, à ça. Moi, dans les débuts, je demandais des conseils à personne. Un mec comme Funeux, désolé, je suis pas arrogant du tout, mais c'était rare avant moi. Donc, j'avais pas de référence, en fait. Il ouais. n'y a pas un producteur où j'ai dit, ah, j'aime bien ce producteur. Il n'y avait aucun producteur qui se mettait en avant. Les producteurs, c'était des inserts de 2 secondes dans les clips où ils faisaient les gros bonnets, et c'est tout. Parce que j'avais pas de référence, j'avais pas à qui me. Ouais. Du coup, toi, quand tu deviens producteur, t'as 22 ans. Ouais, quand je deviens. J'ai. Ouais, 20. Quand tu montes 23 structure. Ans. Franchement, ouais, j'ai 23 ans. 22, ouais, voilà, 22, 22, 23. Et t'as pas de référent de ton âge? Non. Quand tu regardes dans le game? Non, après. Il y a pas un mec de 22, 23 ans. Les seuls producteurs connus, c'était Dawala. Ouais. Dawala, tu es plus âgé. Et Dawala, je lui avais envoyé un message, lui aussi, négligé. négligé, il m'a laissé en vue, il m'a envoyé vers son assistant. Je suis parti voir son assistant, ouais, t'inquiète, on se revoit et tout. Vu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je dis, ah ouais, le monde, il est vraiment méchant, mais en vérité, il me connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Je vois pas pourquoi il va m'aider. En vrai de vrai, quand tu t'assois, je te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je suis arrivé là aussi, j'ai travaillé avec Section d'Assaut, donc tu vas travailler, petit gars. Du coup, je dis, ah ok, je vais travailler, j'ai fait mon label, et voilà quoi. Et Weshden, explosion. Weshden, explosion, bah. Faut savoir que moi, comme je vous ai dit, je crois en moi, donc je sais que quand je prends un artiste, je le fais péter automatiquement parce que je le fais pas pour l'argent. Tu vois, y a des gens, ils confondent, ils font leur business pour l'argent. Ouais. Alors que moi, je suis passionné avant de penser à l'argent. Ça veut dire, okay. je suis un dalleux, je m'en fous. Tu vois, je m'en fous, je fonce, je suis prêt à tout pour le buzz, pour me faire connaître, pour être là. Okay. Voilà, pour être là. Tu l'as dit dans plusieurs interviews, toi, c'est ça ton objectif, René. Être là et être respecté, mais c'est surtout pas l'argent. Loin, très loin de là. Ok. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, tu as dit que ta passion, c'était pas l'argent et que c'était la reconnaissance. Est-ce que la reconnaissance, ça rend heureux?
Et aussi, comment tu as pu faire face à toutes les critiques? Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu tout arrêter Est-ce que la reconnaissance, ça rend heureux? Ça fait plaisir. En vrai de vrai, quand je vois des jeunes qui viennent pour moi, tout à l'heure, j'ai vu un jeune qui venait de Belgique pour moi, et ben ça fait kiffer en fait. Tu vois, ça te montre que t'es pas une merde. Alors que moi, toute ma vie, j'ai toujours fait des trucs dont j'ai échoué. Tu vois, à l'âge de 17 ans, j'étais en prison, j'avais déçu mes amis, ma famille, alors qu'eux-mêmes me voyaient toujours en petit gars qui va aller loin. Et là, je me retrouve en prison comme un trou du cul. Tu vois, j'ai déçu beaucoup de monde où je leur devais quelque chose. Parce que j'avais trop parlé. Tu sais, avec mes amis, depuis tout petit, je leur ai toujours dit, les gars, je vais être riche, je vais être à la télé, je vais être quelqu'un. Et là, je me retrouve comme un trou du cul entre quatre murs. Tu vois, donc j'avais une revanche à prendre. Donc, le fait qu'on me dise, ah, je te comprends, ou ah, tu motives, moi, ça, franchement, c'est, je me nourris de ça. Je me nourris pas de l'argent. Parce que même avec l'argent que je gagne, je le redistribue en vrai. Tu vois, moi je sais que quand tu donnes, quand tu donnes, tu reçois. Voilà, quand tu donnes, plus tu donnes, plus tu reçois. Ça veut dire l'argent, ça vient après, mais faut pas que ça soit une obsession. Faut pas. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Vive ta passion. Vivre de sa passion, c'est pas forcément l'argent. Tu vois, vivre, on vit, il y a des pauvres qui n'ont pas d'argent, ils vivent. Tu vois, c'est l'amour que tu portes pour ta passion. Même si au début c'est dur, il n'y a pas d'argent. L'argent, ça va venir. Moi, quand j'ai commencé mes vêtements, j'avais pas d'argent, mais je vivais, j'étais content parce que je transmettais de l'amour, je motivais des jeunes, je donnais à des coiffeuses, à des sportifs. Et le fait de les voir motivés, moi, ça me faisait kiffer. Mais c'est pas l'argent qui fait kiffer, en fait. Tu vois, l'argent, je vous dis clairement, sans filtre, hein, aujourd'hui, millionnaire ou pas, je suis toujours aussi malheureux des fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça change rien. T'as toujours les mêmes peines de cœur, t'as toujours les mêmes embrouilles. Rien qui change dans ta vie. Il n'y a rien, ok, je peux acheter ça quand je veux, mais à part le matériel qui se nique en deux secondes, je peux acheter une voiture là tout de suite à 100 000 euros, demain ma voiture je la casse, c'est la même. Tu peux avoir une voiture 1 kg 4, je peux avoir un Audi, les deux ça va te ramener à ton point, tu vois ce que je veux dire? C'est de la merde en vrai de vrai. Le seul pourquoi tu fais de l'argent, pour te montrer tes bijoux, tu dors le soir, quand on a tes bijoux, tu dors, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune différence entre toi et moi. T'as de l'argent, tu t'achètes ce que tu veux, mais je suis habillé comme t'es habillé, quoi. Je mange un grec comme tu manges un grec, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te poser une question. Tout à l'heure, je parlais de Sojnaï qui reprochait à Puff Daddy de ouais, regarder ces producteurs qui dansent dans les clips et qui se montrent. Oui. Moi, j'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu as connu ton Sojnaï, déjà d'une? Et est-ce que, la deuxième question, est-ce que tu arrives à comprendre ceux qui ne trouvent pas normal qu'un producteur se mette autant en avant qu'un artiste? En fait, je trouve ça normal, ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Mmh. C'est nouveau pour eux. En vrai de vrai, en fait, les Français, et ça c'est l'être humain, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est sûr qu'ils vont critiquer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais vu ça, pourquoi toi tu fais ça? Et après, quand il y aurait un deuxième pneu, troisième pneu, quatrième pneu, ça va être normal. Tu vois, quand Pouba il a commencé avec les vocodeurs, tout le monde a dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais quand tout le monde fait, ah, ok, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es le premier à faire un truc, tu te fais massacrer. Donc moi, j'assume les gens qui ne me comprennent pas. Mais c'est à moi de leur expliquer. Parce que c'est vrai, d'où je viens, je me mets dans le clip de Weshden, nanana, les gens me disent, oh, reste à ta place. Mais qui a dit que la place du producteur, c'est à l'arrière? D'où ça sort tout ça? En vrai, de vrai, ça sort. Où vous avez vu qu'un producteur doit rester à l'arrière? Et pour quelle raison? Moi j'ai envie d'être connu dans mon domaine en tant que producteur. Si moi je me mets en avant, c'est pas pour prendre la place de l'artiste, c'est que j'ai envie d'être le meilleur des producteurs. Tu sais, il y a des guéguerres un peu, tu vois, il y a des artistes qui font leur guéguerre, il y a Weshden, Ronisa. Moi j'ai envie de savoir qui est mon concurrent dans la production, tu vois. C'est pas pour se mettre en avant. C'est pas pour se mettre en avant et tacler l'artiste, tu vois. L'artiste, c'est moi qui me mets en avant. Il faut savoir que quand j'ai fait Weshden, j'étais connu avant Weshden. Tu vois, j'avais déjà mis 50 000 abonnés, Weshden elle avait 1000 abonnés, je dis, ah, il y a une petite qui va arriver, elle va tout niquer, vous inquiétez pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas pour tacler l'artiste, loin de là. Moi, mon travail, c'est mettre l'artiste en avant. Il faut savoir que si j'étais pas funeux, Weshden elle aurait pas pété comme ça. Les gens, c'est parce qu'en fait, j'ai tellement parlé, qu'un non, lui, il a trop parlé pour, on va attendre son faux pas. Mais en attendant mon faux pas, ça me ramène des auditeurs, ça me ramène des vues, et ça me ramène du buzz, et ça ramène des gens qui parlent de moi. Donc plus tu parles de moi, ça veut dire que tu vas parler de mon artiste, tu vas t'intéresser à ce que je fais, et après, let's go. C'est fini, moi, j'ai une question encore. Après, on passe au public. T'es arrivé très tôt, très vite au top. Maintenant, le plus dur reste à venir. Comment t'appréhendes le futur maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Très bonne question. En vrai, je pense pas trop à ça. Tu sais, avant, j'étais beaucoup dans le je vais être premier, je vais vous montrer que je suis meilleur. Mais là, j'ai juste envie de montrer que je suis heureux, en fait. Tu vois? Là maintenant, j'ai compris que c'est pas une compétition en fait. C'est pas une compétition, chacun est comme il est. Avant, j'étais vraiment, je vais être le numéro 1, je vais être le meilleur producteur. Mais ça a rien changé à ma vie d'être meilleur producteur ou quoi. D'ailleurs, je me dis pas que je suis le meilleur producteur ou quoi, mais
Avant, où j'aimais bien le être dans le classement, maintenant j'ai juste envie d'être heureux. On s'en bat les couilles d'être premier, d'être. Tant que t'es heureux, tant que t'es passionné. Heureux comme Fenel, ça arrive en plus. Heureux comme Fenel, ça arrive, t'as vu. Maintenant, nouveau hashtag, hein. Faut hashtag ça. Là, mon but, c'est d'être heureux, c'est tout ça. J'ai pas envie d'être premier. Attends, j'ai juste un truc à dire au refrain qui est à notre gauche. Tout à l'heure, t'as parlé, t'étais dans l'illégalité. Gars du ghetto, là, tu vois. Et à un moment donné, t'as vu, nous, on travaille avec des jeunes. Des jeunes qui croient que l'argent de dehors, il n'y a que ça. Ouais. Genre, ils n'ont pas assez de réseau. Et tout à l'heure, tu as dit que toi, tu as investi dans tout ce qui est ménage, tout ça. Ouais. Voilà. Et moi, je sais que j'ai des cousins qui sont là-dedans, et ils prennent des 30 000 dans telle ville, 30 000 dans telle ville, et ils arrivent à des salaires, en tout cas, à payer des gens et avoir un capital d'environ 1 million d'euros par mois. Ouais. Enfin, je veux dire. Et je trouve que c'est un bon exemple que tu as donné tout à l'heure, parce qu'il y a trop de nos petits qui estiment qu'il n'y a que l'argent de dehors, et qu'on ne peut pas faire de l'argent dans la légalité, alors que. Dans le ménage, il y a de l'argent à se faire. Exactement. Et pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit Fenel, quand même, il y a notre parcours un peu similaire, dans le sens où moi aussi j'ai créé une marque qui s'appelle Faut vraiment qu'on avance, FVQA. Et à chaque fois de vidéo, je dis toujours qu'il faut vraiment qu'on avance. Parce pourquoi, pour rebondir ce que tu dis, c'est que on croit aussi quand on vient de quartier qu'il n'y a que la musique ou le foot, ou il n'y a que ces choses-là qui vont nous apporter, peut-être ouvrir un grec ou autre chose. Mais la réalité, c'est que il y a aussi un business pour avoir une idée qui peut avoir rien à voir avec la musique. Et on peut passer, surtout, moi je suis quelqu'un qui, on va dire, tous ceux qui sont dans le quartier, c'est quand même des businessmen. Ceux qui faisaient des sous comme moi avant, c'est quand même des gens qui font du business. Mais maintenant, c'est de prendre cette capacité et la mettre dans la légalité. Et c'est pour ça que j'interviens aussi à Villepinte. Par exemple, la semaine dernière, j'ai intervenu à Villepinte toute la semaine dans la prison. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent dans les quartiers, et c'est pas forcément que dans la musique. Maintenant, je sais pas si j'ai bien répondu à ce que tu veux dire. Attends, je rebondis vite sur ce que tu dis. Nous, on a un gars qui s'appelle Mbeko Taboula, qui dit que t'as vu, les mecs de dehors, c'est des PDG. C'est-à-dire, c'est des mecs qui, à un moment donné, c'est des entreprises qui créent dehors, et carrément, pour gérer des coins de rue, sans même noter quoi que ce soit, c'est que tu as des compétences de comptable. Exactement. Pour gérer des petits qui viennent de Sevran et tu fais des transferts de personnel. Tu as des compétences de DRH. Exactement. Ça, je veux dire, mais je vous dis, personne n'a à faire de l'argent de la drogue. C'est vrai, quelque part, ça sert à rien de se lancer dedans, mais quand tu te lances dans. Quand tu as connu le dehors et que tu rentres dans le monde de la réalité. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de compétences à apprendre aussi dehors avec les gens. Comme tout à l'heure, ça parlait des coups dans le dos. Ça parlait de. Il y a plein de choses qu'on apprend. Et quand on se lance, si je voudrais bien rebondir sur des artistes pour donner des exemples concrets aussi, par rapport aussi à l'histoire de Fenel, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent percer dans le monde de la musique, par exemple, et qui attendent un clip, deux clips, 6 mois plus tard, ils refont un autre clip. Un clip, deux clips, 6 mois plus tard, un autre clip. Comment vous allez percer comme ça? Je sais qu'il y en a qui vont être énervés quand je vais dire ça. Mais il y en a plein qui ne percent pas parce que vous n'êtes pas productif. Vous n'êtes pas productif. Après, il y en a qui a dit parce qu'ils ne sont pas passés par Fenel. Peut-être. Mais vous n'êtes pas productif. Il y en a des gens qui vont dire, ouais, mais ça fait 10 ans que je suis dedans. Tout à l'heure, j'ai fait une conférence sur l'ambition. Ça fait 10 ans que tu es dedans, mais montre-moi ta chaîne YouTube, tu as combien de clips? 2, 3, 4, 5. Comment tu vas percer comme ça? Aujourd'hui, pour moi, c'est avec les réseaux sociaux, YouTube, etc. Tu as ton portable, tu te prends, tu le filmes. Tu te filmes. Tu prends quelqu'un, c'est même pas cher partout, il y a des gens qui filment. Tu le prends, tu le filmes à moindre coût. Mais il y en a combien qui sont capables de se lever et d'aller faire ça? Ils ont besoin de quelqu'un. Et c'est ça notre problème à nous. C'est moi, Poutou, je suis pas complètement d'accord avec toi, t'as vu? Parce que c'est pas parce que tu fais 10 000 clips, ou même un clip, frère, tu peux péter, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, si je suis l'ascension de Fenel, c'est le réseau avant qu'il pète. Okay. Tu vois, et c'est pas parce qu'il a fait 10 000 clips pour qu'il pète, en vrai, tu vois. C'est il a créé un réseau, il a créé un engouement autour de lui pour pouvoir faire son bail. C'est pas parce que tu vas faire 10 clips et tu vas avoir ton téléphone et faire des selfies que tu vas péter, frère. Je fais des selfies tous les jours, frère. Ouais. Je fais 10 vues, frère. Si je te rends mon exemple avant, moi je fais des selfies tous les jours et pour autant ça a marché, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire qu'il faut vraiment qu'on avance, mais c'est parce que j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau, moi.
Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire des vidéos, tout le monde me prenait pour un fou, tout le monde rigolait. Pourquoi? Parce que je suis un mec qui vient de quartier, qui sortait de mardi à dimanche, qui faisait la malle en boîte tout le temps, qui rentrait chez lui toujours bourré, et du jour au lendemain, qui faisait de l'argent en l'oseille, qui commence à faire des vidéos pour motiver les gens. Vous savez comment ça se passe, comment ils font les gens? Ils vont rigoler. Non, tu te fais pas un réseau, tu t'amuses. Tu t'amuses, il y a des meufs, il y a tout ça, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que le vrai truc, c'est que après, quand j'ai commencé, par exemple, sur les réseaux sociaux à faire des vidéos, les gens, ils se moquaient, ils mettaient dans leur story. Vous savez comment ça se passe dans le quartier? Ah, il a serré, il est devenu fou, regarde. Ah, il est trop fou, lui. C'est exactement ce qui se passait pendant plus d'un an. Mais à force de faire des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu commences à te performer. Et quand ce fenêtre, il sort, il va aller chercher des contacts, il va voir, tiens, connais la fin de clip là, il a cherché, il est parti. C'est comme quelqu'un qui va sentir 100 clips dans la neige, je sais pas, parce qu'il se lève, il va faire quelque chose. Et il y en a plein qui attendent des producteurs, des managers, tout ça, mais d'abord fais-le voir et montre-nous de quoi tu es capable et ensuite on voit. En fait, si je dois revenir sur un truc où le frérot s'est mal exprimé, c'est que il a dit. Tu sors un clip, deux clips, après dans 6 mois tu ressors. On ne connaît pas la situation des gens, tu vois. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de clips parce que peut-être ils n'ont pas de clipper. Même si on dit oui, tu trouves une caméra, tu filmes, mais il faut trouver cette caméra. Tu vois, il faut trouver les séances studio, il faut trouver le beatmaker. Tu vois. Moi, quand j'ai percé avec Weshden, par exemple, c'était son troisième son. Tu vois. Mais j'ai tellement cru, avant même qu'on sorte Anissa, en fait, le plus important pour percer, entre guillemets, c'est de trouver des bonnes idées. Des idées que personne n'a fait. Parce que tu peux sortir 10 clips, être producteur, être productif à la mort. Si ça marche pas, ça marche pas. Soit parce que tu copies un autre, soit parce que tu n'as pas ta propre idée. Ceux qui percent, c'est ceux qui ont leur propre univers. On appelle ça l'identité musicale. C'est que quand cette personne dit « Ah, tu sais que c'est quel artiste qui chante ?» Par exemple, SCH, il peut dire une phrase, tu sais que c'est SCH. Nino, il dit une phrase, tu sais que c'est Nino. Damso, il dit un truc, tu sais que c'est lui, tu vois. Le plus important, c'est les idées et l'identité musicale. Moi, quand j'ai sorti, par exemple, Weshden Anissa, il faut savoir que ce son, quand je l'ai écrit, je savais qu'il allait péter parce que c'était un son bête. C'était l'époque de TikTok. Non, mais c'était l'époque de TikTok. Et aujourd'hui ce qui marche, c'est un confinement, on était enfermé. Je dis, ah là, les gens, on galère, on aime bien les trucs bêtes, faire des challenges. Ça veut dire, quand je l'ai écrit, je savais qu'il y avait un challenge TikTok à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pris, je crois que c'était. Là, j'avais déjà signé en maison de disque parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant Weshden, j'étais déjà moi en maison de disque. Ça veut dire, j'avais signé que moi en tant que producteur. Ouais. En tant que producteur, j'avais signé en maison de disque. Mais j'avais mis 700 euros dans le clip Anissa. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a apporté tout l'argent que j'ai aujourd'hui. Mais tout est une question d'idée. Tu peux avoir des millions, tu fais un clip à 10 000 euros. Le clip. Et généralement, je vous dis un truc, hein, c'est quand on fait des clips chers que ça marche pas. Parce que vous êtes trop dans. Vous calculez, nanani, nanana. Hey, la vie, on ne sait pas si demain on est encore en vie. Fais les trucs au feeling. Moi, quand je fais les trucs, c'est au feeling, je m'en fous. Je pense pas, non, tactique, patati, patata, un. Hey gros, on a la dalle, let's go. Tu vois, let's go, on croit, let's go. En tout cas, 700 euros, ton investissement est rentable. Hein. Oulalalala, 700 euros, il s'est remboursé. On va passer aux questions du public. Yes. Donc, Aïcha, Roger, qui a une question? Il y a une question. T'as un micro derrière. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. En fait, je voulais rebondir sur ce que t'as dit, Feneu, et t'es venu aussi vite fait dessus. En mode, faut se montrer, faut aller au truc, tu forces, tu dis à tel mec, partage, tu vas voir tel artiste, tel producteur, écoute, je sais pas quoi. Moi, je vois ça, je suis un petit artiste, j'ai de la musique à faire écouter, donc je le vois un peu de cette perspective. Si je vais voir un producteur comme toi ou n'importe qui l'autre, et je me dis, si je force, comme tu dis de forcer, est-ce que ça va pas plus juste se mettre des gens à dos en mode le mec c'est un forceur, on le met sur le côté parce que le business comme t'as dit il est vicieux. Si t'as rien à apporter, que t'es au début encore, que t'es en bas et que les gens voient pas ce que t'apportes, peut-être ils vont dire hey, on s'en bat les couilles, peut faire un bon truc ou pas, c'est à l'instant T. En fait, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand moi je forçais, je venais avec, je bombais aussi, tu vois. Comme si j'étais quelqu'un, hey gros là, mets mon t-shirt. Tu vois ce que je veux dire, là mon t-shirt, il a pété, je mentais. Tu vois, hier j'étais avec lui, alors que j'étais pas avec ces gens-là, tu vois ce que je veux dire. Mais faut que tu viennes et tu montres que un peu que t'es arrogant, en fait, faut que je m'en souvienne de toi. Si tu viens juste, tu me dis, ah hey, j'ai des sons, je vais pas t'écouter. Mais si tu viens, t'as hier j'étais avec Timal au studio, là j'ai fait ça, nanana. Écoute, je veux dire, comme je vais pas savoir si t'es un mytho, je vais écouter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait, faut venir avec un certain culot. Faut venir avec un certain charisme.
faut que tu viennes et faut que je m'en souvienne de, faut que je m'en souvienne de toi. Si tu viens tout timide, Fenu, je vais te faire écouter ça. Tu veux dire que c'est l'image avant tout. Tu vois, tu vois. C'est l'image avant tout, ça veut dire. De quelle image tu parles? L'image que tu renvoies, c'est ça, ouais, c'est ça qui est question. En fait, c'est ce que tu dégages. C'est, tu vois, c'est important ça, c'est ce que tu dégages, c'est super important. Faut venir en mode charismatique, tranquille, faut que tu bondes en fait, il faut que tu trouves une idée pour que la personne te suive. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et l'autre question? Merci de me donner la parole. Moi je vais me présenter, je m'appelle Blaise. C'est pas important. Genre 17-7, ça part un peu loin, mais en gros, je voulais revenir sur la problématique de comment vivre. Attends, deux secondes, hein. Ouais, ça c'est du culot. Tout le monde est assis depuis tout à l'heure, il s'est levé, il s'est tourné. C'est de ça, je parle. C'est être audacieux. Ça c'est du culot. Toi t'es venu, oui, nanani, il s'est levé, il y a quoi hein? Moi je me présente, nanani, nanana, tu vois ce que. Il me tourne le dos déjà, ça gagne. Il est con. Cool. Du coup, je voulais revenir sur la problématique de comment vivre de sa passion et de sa musique. Comme Barberiche l'a dit, soyez berger et pas mouton. Ça veut dire que si vous venez avec quelque chose qui a déjà été fait, bah, vous allez être dans la masse. Donc en gros, moi ce que je fais avec mon équipe, c'est qu'on développe les merchs d'artistes et on développe aussi des marques. Et en gros, ce que je conseille, c'est de vraiment créer un univers autour de votre artiste. C'est-à-dire que si vous venez avec les mêmes punchlines, les mêmes trucs, comme Fenu il a fait justement avec Weshden, il a fait un univers tout en rose. C'est-à-dire qu'il sait que les enfants ils écoutent ça, donc ça va marcher. Il va faire un univers tout en rose. Donc moi, ce que je vous conseille, par exemple, moi je travaille avec Rozo, c'est un clipper, il a beaucoup de talent. Ce qu'on a fait, c'est que il a des, son thème, c'est la cagoule. C'est-à-dire qu'il est venu avec son univers. Et pour moi, ça pourrait devenir le prochain William Thomas, ou même être Rozo directement. Il n'y aura pas de prochain, ça va être son identité à lui. Donc en gros, moi ce que je veux revendiquer, c'est pour les managers, développer l'univers de vos artistes. C'est par là que vous allez amener de la valeur ajoutée dans ce que vous faites, et c'est par là que vous pourrez vivre de la musique. C'est, je pense, une des clés qui va faire que vous pourrez vivre de ça. C'est ce que je revendique en fait. Merci mon gars. Une autre question. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis un peu timide, hein, j'aime pas trop parler. C'était juste pour donner un petit conseil. Moi c'est Melvin, j'ai 21 ans. Je produis une artiste. Je pense que tout le monde la connaît un peu. Je sais pas trop parler parce que je suis plus avec elle, mais la seule fois que je suis avec elle. C'est juste pour dire que pour les producteurs, managers, c'est un Chelsea, pour ceux qui veulent le savoir. J'ai commencé avec elle à 16 ans, avec mon meilleur ami qui s'appelle Max à la guitare, pour ceux qui connaissent un peu, celui qui a écrit en Chelsea, laissez faire, le son de. Si vous produisez des artistes, contrat. Que ce soit meilleur ami, frérot, qui a toujours des contrats. Parce que l'être humain, il est vraiment méchant. Tout ce que j'ai fait pour elle, je pouvais tirer une tonne, elle mangeait avec ma mère. Et l'argent, ça change, en plus c'est congolais, je peux dire. Je suis congolais, mais juste pour vous dire que l'argent, ça change. Quand tu vois sur la table, il y a des formes à 6 chiffres, les gens, ils changent. Je vais te couper deux secondes, je vais pas refaire les mêmes erreurs en disant je suis congolais, donc je comprends ceux qui voient. Comment, moi je vais te donner une idée sur comment maintenir un artiste. Les artistes, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin que tu leur parles français. Tu sais, les producteurs, je suis producteur, hein, les producteurs, c'est des voleurs. Je te dis clairement, non, certains producteurs, la plupart des producteurs, ce sont des voleurs. Parce qu'ils disent pas clairement les choses. Moi, quand je signe Eugène, je lui dis clairement, dans la musique, il n'y a pas d'argent. Tu sais où tu vas prendre des sous? Dans le merchandising, sur ton image à toi-même, ou peut-être dans les showcases. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas en vendant des CD, toi directement, où tu auras énormément d'argent. Vous savez, un artiste, il prend 10%. Tous les artistes que vous voulez, tous les artistes que vous voyez, la plupart, allez max, peut-être 13%. Oui, le monde, il est méchant. Donc, c'est pas dans la musique même où tu vas avoir des sous. Mais pour asseoir l'artiste et le prévenir. T'as vu, moi, je suis producteur, je vais toujours avoir plus d'argent que toi. Parce que moi, j'ai 90% derrière. Et pourquoi j'ai plus d'argent que toi? Parce que c'est moi qui te développe, c'est moi qui va porter les couilles, c'est moi qui vais tout faire. Toi, juste, assieds-toi. Et moi, et en plus, t'imagines, pour Eugène, où j'écris, je fais ci, je fais ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, assieds-toi. Et moi, je te fais connaître. Donc, je suis obligé de prévenir l'artiste où il y a l'argent, où il n'y a pas d'argent. Parce que quand les artistes, ils voient
les autres artistes, ils ont l'impression que tout le monde est riche, c'est fou. Les rappeurs, ils sont pas... Mais quand t'as dit ça, Weshden, elle a bien pris. Bah, t'as pas le choix. En fait, c'est même pas moi qui veux. C'est même pas moi qui veux, c'est... Les contrats, ils sont comme ça. Un artiste ne peut pas prendre 50-50 avec toi, sinon il doit monter sa propre boîte. En fait, c'est comme ça, mais aussi, je suis pas... où j'ai été malin, c'est que Weshden, elle est très belle. Du coup, j'ai beaucoup développé son image. Aussi, comme je sais que, on va dire, si dans la musique, il n'y a pas beaucoup de moulins, ah, la fille, elle est belle, donc, allez, tiens, contre Chine, allez, tiens, contre Chanel, allez, tiens. En fait, je l'emmène où il y a l'argent. Pour pas qu'elle se sente niquée, pour pas qu'elle... jamais de la pique, demain, tu vas voir, je vais dire, je me suis fait 40. Ça n'existe pas, parce qu'on s'est assis, au début, on a tout dit. Et les producteurs, quand ils signent un artiste, ils oublient de dire tout ça. C'est-à-dire, les artistes, eux, ils vont voir d'autres artistes avec des gros leasing, des gros trucs, ils vont dire, wesh, mais lui, il passe même pas, après, il a l'argent, il loue mon argent. Ah, t'es un voleur. Non, 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 je suis pas un voleur. C'est juste que lui... C'est du bluff qu'il fait. C'est un leasing, il donne un billet par mois, il a des bijoux, ce sont des faux. Vous ne faites pas avoir. C'est rare qu'un artiste, bon, mis à part les Nino, Aya, etc. Mais un artiste riche, ceux qui prennent de l'argent, c'est les producteurs. En vrai de vrai, hein, je vous dis clairement, ce sont les producteurs. Les artistes, où ils prennent de l'argent, ça va être dans les showcases. Ils prennent beaucoup d'argent dans leur image, quand il y a des contrats avec Adidas, à la SACEM. Il y a d'autres endroits où ils prennent beaucoup d'argent. Mais c'est pas avec les ventes de CD qui prennent énormément d'argent. Donc ça, faut être clair avec les artistes. Il faut pas dire comme c'est une Renoir, elle t'a volé, elle aime trop l'argent. Non, tu t'assois avec la famille. Ça peut être un blanc, le blanc il peut faire ça. Moi aussi je croyais ça, c'est vrai que moi aussi je croyais ça à un moment parce que quand il m'arrivait des crasses, à chaque fois c'était des frères à moi, des Renoirs où j'avais le seum, tu vois. Donc j'ai pu m'exprimer comme ça en disant ouais les Renoirs nani. Mais en fait c'est l'être humain il est comme ça gros. L'être humain blanc, noir, jaune, l'être humain quand il n'y a rien, il est accroché à toi. Dès qu'il a un peu, ah, c'est comment, ils oublient, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, faut pas que tu te dises... Il n'y a pas forcément de race. Très bien. On va devoir conclure avec plaisir. Comment ça tu veux conclure avec plaisir? C'est la fin. C'est non. Dernière question. Je suis obligé. Non, en fait, je ne vais pas poser de questions. Je voulais juste te remercier, Frérot. Parce que quand t'es arrivé, je me suis dit putain quelle arrogance. Quand j'ai vu ce que t'as fait, j'ai dit ah ouais d'accord. Après quand j'ai écouté tes explications, j'ai dit lui dit la vérité. Tout le monde ne peut pas être fainéant. Il a son caractère. Merci beaucoup. Il a son envie de faire les choses. Il a pensé mode américain. Notre grand problème à nous ici, c'est notre système économique. Arrêtez de dire les noirs, les blancs, pas les noirs. Vous êtes combien les noirs? On est beaucoup ici en Ile-de-France. Mais sortez, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Donc quand vous tirez sur un frère noir, vous avez déjà tué un de vos soldats. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le business, c'est un business de voleurs. Vous allez dans une maison de disques, ils vous sortent des contrats, et toutes les lignes, vous ne comprenez pas un mot de ce qui se passe. Donc pensez bien que son exemple, c'est un bon exemple, mais ce n'est pas le seul. Là où il a raison, c'est qu'il faut fixer l'image. Fixez votre image en tant qu'artiste. Fixez votre équipe, regardez avec qui vous travaillez, comment vous travaillez, et ça fonctionne. Mais en tout cas, merci à toi vraiment de m'avoir donné cette leçon, parce que quand j'ai vu ton discours au départ, je me suis dit, c'est une arrogance qui ne nous sert pas. Mais finalement, c'est une très bonne arrogance. Merci beaucoup. Et reste comme tu es, et avance comme tu dois avancer. Merci. Et vous, arrêtez de dire les noirs, les... On va conclure avec Prizy, et merci à tous. En tout cas, la récré, merci à vous pour cette belle conférence. Public aussi, merci à vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pridi. Donc, avec mon frère, on a développé Boost à Réussite. Donc, Boost à Réussite, c'est quoi? C'est tout simplement une ambition qui est née d'un constat en fait, de notre parcours. C'est tout simplement qu'on a tous eu des projets et à chaque étape de notre projet, il nous manque soit l'accès à l'information, soit l'accès à la connaissance. Donc, pour rebondir sur ce que le frangin disait tout à l'heure rapidement, quand il dit il nous présente des contrats, ils veulent nous arnaquer, j'ai pas la même lecture, c'est pas un débat, c'est juste mon point de vue, c'est pas arnaquer, c'est est-ce que tu as le niveau de connaissance et de compétence pour lire ce document, comprendre ce document, être capable de négocier. Et c'est plutôt sur ce côté-là où moi j'amène justement les frangins, c'est pour ça qu'on a créé Boost à Réussite, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a fait ce travail de réunir donc l'ensemble des acteurs présents qui vous permettront à chaque étape de votre projet d'accéder à l'information et d'acquérir les compétences nécessaires, parce qu'on parle de compétences. Quand on négocie, ce sont des compétences, d'accord? Donc, le discours victimaire, oui, ceci, on n'a pas de réseau, on n'a pas de... On m'a arnaqué, non. Le gars, il a joué sa partition, t'étais pas du niveau, fin de l'histoire. C'est tout.
Voilà, donc ça c'est mon regard, ça ne regarde que moi. Mais quoi qu'il en soit, tous ceux qui souhaitent concrétiser leur projet, on a développé une plateforme, et l'idée de cette plateforme, c'est que, comme Doctolib, quand vous cherchez un médecin, vous prenez rendez-vous, là cette fois-ci, c'est vous trouvez le professionnel qu'il vous faut pour concrétiser votre projet et vous prenez rendez-vous avec lui. Et donc, juste pour conclure, il y a Lion qui est là, que je tiens à remercier. Donc, on a commencé dans la musique, et je tiens aussi à féliciter Feneux à ce niveau-là. C'est que j'ai commencé dans la musique avec Tito Prince. Pareil comme Feneux, moi l'histoire était très simple. On regardait Urban Peace 1 à l'époque. J'étais avec Tito, et on s'est dit, pourquoi nous, on n'y serait pas? On s'est pointé avec un mix, j'oublierai jamais, à Barclay. On dit, on a rendez-vous avec le DA. Il me dit, ok, vous êtes qui? On a rendez-vous avec le DA, je suis manager de tel artiste. Il dit, ok, le DA, il arrive. Le gardien, il a cramé que c'était qu'on a parlé avec lui parce qu'il est passé, on ne le connaissait pas. Et, mais comme j'étais culotté, il m'a dit, non, il a du culot quand même. Pourquoi? Parce que je m'étais renseigné sur son nom. Mais en revanche, vu qu'Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, je n'avais pas son visage. Donc le gars, il est arrivé, il m'a dit, t'es qui? J'ai dit, je m'appelle Pridi, il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai un artiste qui est là. Écoute son son, je parle pas beaucoup, écoute son son, c'est bon, on monte, c'est pas bon, je rentre chez moi. Il est monté, il a mis play, il m'a dit monter. Voilà. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Et celui qui m'a permis après d'avancer, d'arriver sur Bouscapé, de pouvoir avoir des bonnes connexions, c'est le grand frère qui est là, qui est Lion, et que je tiens à remercier. Et pour dire que quand vous dites qu'il n'y a pas de connexion entre Renoir, il y a des connexions. La preuve en est, grâce aux personnes ici présentes, on a pu avancer. Donc aujourd'hui, l'objectif de Boost à Réussite, c'est vous n'avez pas de réseau, il n'y a pas de problème. Vous venez sur BTR et vous trouvez chaussures à votre pied. Donc il n'y a plus d'histoire, mon pote, il ne connaît pas. Non, là, vous venez, toutes les personnes, on va faire ce travail de les référencer, ça nous a pris du temps. Mais on l'a fait pour vous et on espère que grâce à cela, vous pourrez concrétiser vos projets. C'est ça. Je voulais juste à dire un truc à la fin. Vous avez vu, on a créé un espèce d'écosystème avec plein de médias. On va appeler ça un espèce de mouvement sans langue de bois. Il y a un monsieur de Standing Media qui est là-bas, qui fait un gros travail. Il y a les frères du CSA, Raposphère. Il y a Borsalino aussi qui est là. Il y a Piggy aussi de Sartine Bloc qui est là-bas. Il y a Grice TV, Calcium TV, Parole Véritable. Voilà, tous ces médias-là, en fait, vous avez vu. Camos Productions aussi. Vous avez vu tous ces médias-là, à un moment donné, ils ont... Et en fait, le gars qui nous a inspirés, il est là. C'est monsieur Driver qui est ici. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il était... Nous, on voyait dans des médias, on voyait, il était un peu... on a dit, le bouc, il nous ressemble et il faut qu'on le rejoigne. Oui, et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que voilà. Et monsieur Barberouche aussi qui est là, parce que monsieur Barberouche a un long trajet aussi. Avec Urban Kid et tout ce qu'il avait. En fait, à un moment donné, voilà. Comme BTR, Boost à Réussite, comme cette espèce de collectif sans langue de bois, comme on dirait. Bah, en tout cas, on vous remercie de soutenir, parce que c'est important. Et moi, je suis content de tous vous voir ici, parce que discutons, communiquons, mais soutenons. Parce qu'à un moment donné, le monde artistique, il est large. Il y a aussi le monde des médias. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en lumière nos discussions qu'on a dans nos milieux, dans nos quartiers ou ailleurs, et on les a mis sous forme de talk show. Et vraiment, voilà, un des gars aussi qui nous a beaucoup inspiré, c'est Bob de Génération. Donc un gros big up pour lui, même s'il n'est pas là. Et voilà, soutenez. Bientôt, il y a pas mal de contenus qui vont arriver. Il y a aussi des conférences qui vont arriver, qui sont filmées, et vous pourrez aussi y participer. Et voilà, entraidons-nous, c'est ça, c'est comme ça qu'on parle. Voilà. Entraidons-nous parce qu'on est ensemble ou on n'est rien. Yeah.